messieurs, bonjour. Je voudrais moi aussi remercier ici très vivement M. Cantos, M. Bougerolle, M. Delaveau, président de la commission commerce, chef de service commerce, pour leur invitation. Deux petites secondes, je vais passer directement sur votre slide. Voilà. Je voulais les remercier d'abord parce que c'est une invitation qui n'est pas inattendue pour nous, mais qui l'est peut-être pour vous. Autant l'association de l'abeille et du consommateur va de soi, autant notre présence ici aux côtés de l'association des commerçants 12e sens et dans le cadre des journées qui sont organisées par la Chambre de commerce de Rodez vous pose peut-être quelques questions. Alors ce que je voudrais, c'est que nous commencions d'abord par nous présenter. Hélène, je te passe la parole et je ferai ma présentation également pour vous expliquer pourquoi nous sommes là et pourquoi votre expérience, pourquoi ce que j'appelle le laboratoire Aveyronnais nous intéresse en tant que chercheurs en sciences commerciales. Je pense qu'il faut bien rapprocher le micro de la bouche parce qu'on t'entendait pas très bien. Donc voilà, je me présente, donc Hélène Yildiz. Donc comme on l'a précisé sur le slide HDR, en fait je viens d'être invitée à diriger des recherches. Donc, et mon sujet porté justement sur, on en reviendra un peu plus à travers mes slides, sur l'économie, l'échange économique qui se transforme tout doucement aujourd'hui vers un échange beaucoup plus social et qui sont finalement intimement corrélés ensemble et qui ne peuvent pas du tout être dissociés aujourd'hui. Donc je suis maître de conférence, donc j'enseigne. J'enseigne tous les domaines de la gestion, toutes les disciplines de la gestion. Et puis chercheur, et une de nos thématiques, c'est le développement économique local à travers les commerces locaux. Voilà. Merci Hélène. Moi-même, j'ai rejoint le groupe INSEC après avoir passé pas mal de mon temps professionnel dans un groupe de téléphonie, un grand groupe national, et dans les départements commerce et également marketing. Alors, notre présence ici, ce n'est pas une présence qui est tout à fait fortuite, puisque nous travaillons depuis 8 ans, j'en parlais avec Ludovic tout à l'heure, depuis 8 années, autour de la thématique de programmes de fidélisation. L'Aveyron a mis en place un certain nombre de programmes de fidélisation, d'abord à Millau, puis Sainte-Afrique, dans l'ordre, je ne sais pas, parce qu'ils avaient déjà un programme carton avant que Millau ait mis en place une carte à puce. Nous avons donc longtemps travaillé avec eux. Nous travaillons de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il y a une collaboration où nous faisons des réunions annuelles, où nous faisons le bilan avec eux de leur travail, de leur progression. Et nous, en tant que chercheurs, nous sommes, comment dirais-je, très axés sur des thématiques qui concernent à la fois expliquer ce qu'ils font en termes donc de liens clients et également d'analyse de leurs résultats. Bon, on pourra en reparler tout à l'heure pour vous montrer un petit peu vous donner un éventail de l'avantage que cette association permet de leur apporter en termes d'orientation de leur politique et de développement de leur programme de fidélisation. Et puis, comme le disait M. Bougerolle tout à l'heure, nous avons eu l'idée, en capitalisant sur ces expériences répétées, de mettre en place une petite cellule, un petit groupe qui s'est enrichi avec la présence donc, d'une consultante en stratégie numérique, le partenariat avec la CCI Millau et nous-mêmes en tant que chercheurs pour essayer de capitaliser dans le sens où, au travers de nos recherches, ce que nous essayons de faire, et également sur le terrain, de constituer et de créer une véritable culture écolocaliste. Car je ne vous cache pas que de mon point de vue, puisque avec Hélène nous suivons pas mal ce qui se passe en France, la démarche aveyronnaise est à mon sens un cas unique qui suit probablement, mais je pense qu'ils ont fait un peu comme M. Jourdain de la prose sans le savoir, ils ont adopté des méthodes qui sont déjà utilisées ailleurs et dans des dimensions et dans des échelles beaucoup plus grandes. Je reviens sur les propos de M. Bougerolle tout à l'heure. S'organiser, voir grand,
associer, créer des synergies entre commerçants. Vous verrez, tout à l'heure, nous aurons l'occasion de voir la confirmation de ces idées-là sur ce qui se passe à l'étranger. Et puis l'action de 12e sens. Alors, autant les programmes de fidélité, c'était des initiatives d'associations de commerçants, autant 12e sens, c'est une fédération d'associations de commerçants qui est en train d'essayer de mettre en place une autre approche de la relation client, une approche plus réseau, centrée sur le local, centrée sur la proximité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le local et la proximité, ce sont des mots qui constituent un peu en eux-mêmes des pièges. Alors, je vais m'efforcer, dans ce début de présentation, d'essayer de fixer un peu le cadre, l'écolocalisme. Qu'est-ce que l'écolocalisme ? Nous le définissons comme une attitude commerciale, une innovation en matière d'attitude commerciale. Hélène, par la suite, vous rendra compte et vous fera une synthèse des recherches, car l'écolocalisme n'est pas aujourd'hui dans la stratégie du petit commerce indépendant la seule qui est suivie. Elle fera donc un bilan des recommandations des chercheurs. Et puis, ensuite, si nous avons le temps, nous passerons aux apports que nous avons pu produire, nous, après 8 années de travail en collaboration avec la CCI et l'Aveyron. Et nous passerons à vos questions, si vous avez des questions, et à une discussion éventuellement. Alors, on a tendance à voir dans le local la proximité exclusivement d'accès. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'INSEE, quand on parle de proximité, de commerce de proximité, il englobe en fait tout ce qu'on appelle les commerces de quotidienneté, commerces définis par leur fréquence, mais il englobe aussi tous les commerces qui appartiennent à des zones qui sont situées dans un périmètre de 300 mètres, zones qui comportent au minimum 4 commerces, quel que soit le type de commerce. Ce qui signifie en clair que 72% des commerces français ont la qualité de commerce de proximité, et que notamment parmi ces commerces-là, il y a 26% qui sont des supermarchés et 7% qui sont des hypermarchés. Donc, la notion de commerce de proximité n'est pas une notion qui est typiquement et proprement, qui renvoie pas typiquement et proprement au petit commerce indépendant local, mais qui englobe un ensemble beaucoup plus vaste. Le commerce local, vous le verrez, il est revendiqué aujourd'hui un peu par tout le monde. Mais là où nous faisons la différence, nous, c'est que tous les commerces n'ont pas le même impact local. On peut revendiquer le commerce local, on peut revendiquer une démarche localiste, mais pour nous, la démarche localiste et écolocaliste est une démarche qui n'est pas une revendication, mais une contribution à ce qu'on fait. Relativement à l'économie locale, également sur le plan social et environnemental local. Tout le monde aujourd'hui prétend penser et agir local. Je donne quelques exemples très simples. Ici, manger local, une nouvelle tendance de la consommation, les centres Leclerc. En gros, Leclerc détecte effectivement chez le consommateur une propension à vouloir acheter des produits qui viennent du lieu, parce qu'ils ont davantage de garanties sur le plan de la qualité des produits, parce qu'ils sont davantage peut-être attachés à ces produits-là. Et qu'est-ce qu'il en infère ? Il en infère une politique locale qui va mettre en avant ce qu'il appelle les alliances locales. Les centres Leclerc soutiennent des producteurs locaux. Donc, vous voyez, dans la démarche localiste, il n'y a pas essentiellement que le petit commerce qui, aujourd'hui, s'intéresse au localisme, il y a également les grandes surfaces qui le font. On peut considérer en fait qu'il s'agit là d'une démarche purement réactive de la part des grandes surfaces. En ce sens que s'il n'y avait pas eu la tendance du consommateur à penser à vouloir local, probablement la grande surface ne serait pas venue sur le local. La démarche écolocaliste est au contraire pas une stratégie réactive, mais plutôt une stratégie proactive. C'est ce qu'est en train de faire actuellement en 12e sens, c'est-à-dire qu'en fait, on va d'abord défendre le local parce qu'on veut, comment dirais-je, mettre en œuvre un engagement local. Je donne un autre exemple ici. En faisant ce slide, d'ailleurs, j'ai beaucoup pensé à M. Beauvais, qui est le régional de l'étape.
et qui, apparemment, vis-à-vis de l'enseigne McDonald's, avait des arriérés. Regardez comment McDonald's est passé d'une référence d'origine France à l'origine territoire. Il nous propose aujourd'hui non pas de la viande française, mais du charolais, de la limousine, de la normande, de la montbéliard, etc. Donc, carrément, on descend dans le degré le plus fin du localisme, alors qu'on est tout de même une grande entreprise d'envergure globale. Même si l'on précise que la durée de ces produits qu'on peut avoir chez eux donc, est limitée. Donc pour nous, ça n'est pas typiquement une démarche écolocaliste, c'est ni plus ni moins qu'une récupération de la tendance au localisme de la part du consommateur qui a été repris par la grande distribution et récupéré. Il faut, et ça, les Américains sont assez forts pour le faire, ils utilisent beaucoup des études d'impact local des commerces. Ils ont analysé, notamment Patel et Martin, ils ont fait plusieurs études, notamment dans l'Ohio, ils en ont fait aussi à Portland. J'ai pris cet exemple. Sur 100 dollars dépensés dans un petit commerce local, il y a 35 dollars constituent des effets indirects, savoir pour se procurer la marchandise, ben le commerçant il achète localement, donc il va naturellement augmenter la dépense et augmenter le revenu localement, et 23 dollars d'effets induits, ben c'est l'utilisation, que les salaires, etc., et sont faits par les gens qui travaillent dans ces entreprises et qui redistribuent localement. Au total, 58 dollars supplémentaires sont générés par les petits commerçants locaux. Pour une grande surface comme Walmart, par exemple, ou Tesco, il n'y a que 34 dollars. C'est-à-dire qu'un petit commerce local rapporte à la zone locale plus 70% par rapport à une grande surface. Alors, pour redéfinir finalement l'écolocalisme, il faut avoir, je pense, présent à l'esprit que le type de relation que vous désirez construire est radicalement différent de celui que veut construire ou que construisent les grandes surfaces et les grands groupes. C'est une démarche qui consiste à mettre en avant le contact, la discussion, la rencontre, traçabilité locale, intérêt, souci de l'autre. Alors qu'au contraire, du côté des grandes surfaces, c'est la distance, c'est l'écran, c'est l'appareil automatisé, c'est le comparateur de prix. Et ce sont deux logiques différentes. Et quand 12e France fait ce qu'il fait, de mon point de vue, il est en train d'écrire une nouvelle histoire de la page du commerce. Bien sûr, on en est qu'au début. On va voir tout à l'heure ce qui se passe dans le monde. Il est en train tout simplement d'essayer de construire à son niveau une approche différente chez le consommateur de la relation commerciale. Et c'est cette question-là qui nous intéresse à nous chercher particulièrement. Ce qu'il y a de commun parmi tous les programmes écolocalistes qui ont été montés dans le monde, c'est que d'abord ils émanent de chefs de PME. Donc on part effectivement de l'unité de base, du petit commerce de base. Ils sont toujours, généralement, à grande échelle et construits sur le schéma associatif. Et leur but, car ils ont un but, c'est pas seulement, comment dirais-je, d'assurer la survie du petit commerce, c'est de faire croître la richesse locale et d'essayer de la répartir plus humainement. En voici un premier sur Londres, la Wedge Card. C'est John Bird et Diana Bird, des intellectuels, surtout autodidactes, humanistes, fondateurs d'une revue qui s'appelle The Big Question. John et Diana Bird donc, ont fondé la Wedge Card qui réunit plus de 600 commerçants londoniens. Et c'est une expérience qui est en train, comment dirais-je, de s'étendre. Aux États-Unis, Intera Project, qui a été, comment dirais-je, soutenu par John Rammer et Greg Stempel, qui sont des chefs d'entreprise qui ont réussi aussi, mais l'un dans les jus d'orange et l'autre dans l'informatique, sont aussi des visionnaires et ils ont créé tout un ensemble de programmes écolocalistes sur le sol américain,
dans l'Eure, l'Ohio, par exemple, couvre la moitié d'un État. C'est comme si en France, imaginez, pratiquement tout le sud de la France, vous aviez une carte de fidélité, un programme écolocaliste sur le sud de la France. Donc c'est, si vous voulez, à des échelles qui sont beaucoup plus grandes. Mais d'entrée de jeu, si vous voulez, il y a cette défense du local, cette défense du petit commerce indépendant, et surtout, chez Stettenpol, une critique radicale du rôle négatif des grandes surfaces et des grands groupes en termes d'impact économique. En Inde, la Mumbai Card, qui a été créée aussi par des petits commerçants, et on sait qu'il y a un état de tension très fort, le gouvernement a été obligé de reculer en Inde face à la demande d'implantation de Carrefour, Tesco et Walmart sur le sol indien. Donc si vous voulez, on est dans une perspective. Le principe de ces programmes, il est le suivant. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur des programmes de fidélisation, par exemple, qui étaient des programmes de fidélisation utilitaires. C'est-à-dire, on veut gagner le consommateur avec une récompense. Le principe, le consommateur achète, il reçoit des récompenses individuelles, des points, des euros, ce que vous voulez, des cadeaux. Et en retour, en vertu de la théorie de l'engagement du comportement générant des engagements, il a son comportement qui est renforcé et il va revenir naturellement pour racheter à l'endroit où précisément il a fait des cadeaux, où il a fait gagner des euros. Ce comportement opérant, l'idée est de le réaliser d'une autre manière, c'est-à-dire on va non pas récompenser directement le consommateur, mais une partie des récompenses qu'il va gagner, elles seront réparties. Une partie pour le consommateur, une partie allant à une fondation, une association, une institution qui travaille pour le développement local. Alors pour Bird, c'est pour les gens qui sont, comment dirais-je, SDF, les homeless. Pour, en Inde, c'est pour les orphelinats, pour les jeunes qui sont abandonnés dans la rue. Et partout, aux États-Unis par exemple, c'est fait pour dynamiser le petit commerce local et la création d'entreprises. Et chaque fois, il y a donc une double récompense, une qui est utilitaire et donc retire profit au consommateur directement, une qu'il retire indirectement, et dans ce cas, on peut penser naturellement que ces consommateurs se trouvent renforcés du fait que précisément, dans leurs attentes identitaires, ils ont reçu de cette façon-là une certaine récompense. Et c'est ce qu'on fait avec 12e sens, notamment, soit avec les programmes qui se sont déroulés, les actions qui sont déroulées sur les arbres, sur l'abeille, plus tard sur l'eau, etc. Il y a donc, pour les gens qui, aujourd'hui, ont une prise de conscience localiste, eh bien, là, le moyen, avec ce type de programme, de trouver un certain nombre de récompenses. Le programme 12e sens, oui, pour nous, est bien un programme écolocaliste. Je suis allé sur votre site, M. Alibert, et j'ai repris donc pratiquement tout ce qui constitue votre charte et votre message, économie locale, lien social local, et également préoccupation environnementale locale. Alors je vais passer maintenant la parole à Hélène Wildis. J'ai essayé de vous montrer simplement ce qu'était que l'écolocalisme, la démarche, les mots qui pouvaient être des mots pièges, comme local ou proximité, à manipuler avec précaution, en fonction naturellement des gens qui les portent, c'est-à-dire essentiellement ici des associations de petits commerçants. Merci Jean. Donc Jean Fouzou vient de vous exposer finalement le sens de l'écolocalisme qui est donné actuellement. Et moi je vais vous exposer les résultats des différentes recherches qui ont été effectuées sur le petit commerce. Voilà. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit bien. Là, vous avez une rue piétonne qui s'étend jusqu'à à peu près 70 mètres. Et comme vous pouvez le constater, on a des commerces qui sont fermés. Ça n'est pas un dimanche, ça n'est pas un jour férié. Malheureusement, c'est un jour de la semaine. Et c'est une des rues commerçantes de Perpignan. En fait, dans ma présentation, je vais vous montrer quelles sont les causes de fermeture de ces commerces. Là.
un exemple parmi d'autres. Je suis certaine que vous en connaissez vous-même. Ces causes, comme on va le voir, sont d'ordre global et local. Global, puisque c'est un mouvement qui se déroule à travers le monde et qui a malheureusement atteint nos villes, nos petites villes, nos grandes villes. Et puis local, parce que c'est propre aussi à l'implantation, à la structure même des commerces, des petits commerces. Ensuite, je vais vous présenter les différentes solutions que sont préconisées par les chercheurs. Alors là, c'est des recherches comme, qui se déroulent à travers le monde, donc qui ont été analysées dans des pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Inde, l'Allemagne, la Belgique, et puis la France, dont on fait partie avec Jean pour cet aspect petit commerce. Et donc les solutions qui sont préconisées par les chercheurs avec deux types d'approches. Une approche basée sur la transaction, c'est-à-dire sur l'échange économique. Et la deuxième approche qui est basée, elle, sur la relation, sur des liens. Et on se situe dans cette approche avec Jean Frison. En fait, donc là, ce que je vous montre... le haut sont des facteurs plutôt globaux qui vont impacter la fermeture d'un commerce local. Donc quand je parle de commerce local, ce sont surtout des commerces situés en centre-ville. Et en vert, donc la pression concurrentielle, normalement c'est une couleur bleue aussi, mais je l'ai mise en rouge, vous avez trois rouges, en fait ce sont les trois grands facteurs qui impactent au maximum, qui ont le plus de poids dans, malheureusement, les résultats pour la fermeture des commerces locaux. Et en vert, donc, qui est propre à l'implantation du commerce en centre-ville. Donc, la pression concurrentielle, malheureusement, de plus en plus à travers le monde, on le voit, toutes les villes qui, on voit, des grandes zones commerciales se développer en périphérie, malheureusement, voient tout doucement fermer ces petits commerces. Donc il y a une très forte pression concurrentielle exercée par les grandes surfaces, par les grands groupes qui se trouvent à l'extérieur des villes. Et bien sûr, derrière, ça impacte la demande, c'est-à-dire les consommateurs, vous, moi, et bien sûr la rentabilité, la profitabilité d'un commerce local. Donc il suffit que vous soyez pas très loin finalement du seuil de rentabilité, qu'il y ait un incident quelconque, et pof, le lendemain vous fermez votre commerce. Ensuite, donc le deuxième groupe qui est plus global, comme je vous ai dit, donc est propre au local. Donc la taille du local a un impact. Les délais entre deux vacances. Alors si vous choisissez un local, faites attention de prendre, d'après ces groupes de chercheurs, de prendre plutôt des locaux qui n'ont pas eu de délai de vacances trop long, puisque qui dit délai de vacances trop long, donc une perte finalement d'habitude de clients à venir à cet endroit précis. Et donc les trois points en rouge, l'environnement du local, malheureusement c'est vrai que c'est très joli nos rues piétonnes, mais l'ensemble des recherches montre bien que l'accès, la difficulté d'accès au centre-ville est un facteur déterminant qui est corrélé à la fermeture des petits commerces en centre-ville. D'ailleurs, on voit certaines communes revenir au phénomène des rues piétonnes, c'est-à-dire on rend l'accès aux voitures au centre-ville. Alors je ne sais pas si c'est une bonne chose, une mauvaise chose, mais bon, il y a je pense d'autres alternatives aussi. Et puis le coût du local, qui a un impact aussi énorme, c'est-à-dire le loyer. On remarque que les loyers sont de plus en plus élevés en centre-ville, donc vous le savez vous-même, et qui a un impact aussi sur la fermeture.
Alors, c'est vrai que cet ensemble de facteurs a un impact sur les commerces, un impact sur le centre-ville, sur l'activité économique du centre-ville, mais pas seulement. Si on regarde cette photo, ça voudrait dire que donc les commerces se sont délocalisés, se trouvent à l'extérieur des centres-villes, c'est-à-dire en périphérie. Et si on analyse de manière historique un peu ce qui se passe aux États-Unis, malheureusement, on voit un phénomène qui semblerait aussi nous atteindre, c'est que tout doucement, les petites villes, les moyennes villes, voient leur ville, leur centre-ville se désertifier, leur économie locale complètement se désinvestir de l'économie régionale. Et puis, quelque part, derrière, donc, quand il n'y a plus d'activité économique, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'activité sociale. Et donc, les habitants, s'il n'y a plus d'activité sociale, s'il n'y a plus de services publics, les habitants, que font-ils? Ils vont dans des villes un peu plus grandes, où il y a des services plus importants qui leur sont proposés, des services publics. Et puis, on voit aussi ces périphéries devenir des centres fantômes. Donc aux États-Unis, c'est ce qu'on peut constater malheureusement actuellement pour certaines petites villes qui se transforment en villes fantômes. Donc la crainte, c'est que cela arrive aussi pour nous. On voit déjà, j'habite actuellement Mandelange à Vendange, qui est encore un fort centre-ville, mais la ville la plus proche qui est Ronda, voit malheureusement des grands locaux qui étaient habités par des grandes surfaces vides actuellement. Donc, pour répondre à ces problématiques, les chercheurs se sont focalisés, ont préconisé des solutions et ils se sont répartis, on peut répartir l'ensemble de ces solutions en deux grands courants. Alors, le premier grand courant est basé sur une approche qui est essentiellement focalisée sur la transaction, sur l'échange économique. C'est-à-dire, je vais dans un commerce pour acheter tel produit et j'étudie, j'analyse cet échange. Et finalement, les solutions qui sont préconisées sont de cet ordre-là, c'est-à-dire on va jouer sur les leviers entre l'offre et la demande. Donc d'un côté l'offre, les propositions du côté des commerçants, donc on leur préconise, on leur dit écoutez voilà, ce qu'il faudrait c'est que vous ayez plus de choix dans vos commerces. Donc vous avez une petite taille, malheureusement vous êtes limité par cette taille, mais on vous préconise d'avoir plus de choix, plus d'offres de produits. Des produits de qualité, des produits locaux, faire plus de promotions. On vous suggère de mettre en place des systèmes de fidélité individuels. Et puis, bien sûr, que vous ayez un site web. C'est important. Mais à votre taille, comment avoir un site web? Vous n'avez absolument pas, malheureusement, pour la plupart des commerces au centre-ville, surtout les indépendants, ils n'ont absolument pas la capacité à pouvoir avoir un site web tel que les grandes surfaces peuvent avoir ou les grands peuvent avoir. Et donc le deuxième levier d'action, bien sûr, de l'autre côté du marché, c'est la demande, c'est-à-dire nous, les consommateurs, c'est-à-dire à tenter de segmenter un peu plus le marché, donc de cibler mieux les personnes qui seraient plus susceptibles de venir dans les centres-villes, dans les petits commerces que d'autres. Donc en fonction de l'âge, de la catégorie socio-professionnelle, etc. Mais toutes ces actions, tous ces leviers sont propres, bien sûr, aux grandes surfaces, aux grands groupes. Mais comment peuvent-elles être appliquées au niveau du petit commerce local? Ça semble bien difficile. Bon, et puis c'est dangereux comme imitation, puisque si j'imite l'autre, qui est bien plus gros ou bien plus fort, il n'est pas possible d'avoir le même résultat, évidemment, puisque nous n'avons pas les mêmes
le même potentiel, les mêmes ressources. Et puis surtout, c'est vain. Et je pense que c'est le deuxième courant sur lequel les chercheurs vont montrer qu'il y a d'autres formes de solutions. La caractéristique principale du commerce local, du commerce en centre-ville, c'est la proximité. C'est le lien, c'est la relation qu'on crée à travers les différents allées, les différentes visites qu'on va effectuer auprès de ces commerçants. Quand je vais chez le boulanger, juste à côté de chez moi, ou au centre-ville chez le boucher, chaque semaine, eh bien, au bout d'un moment, il va me connaître. Et si j'y vais, c'est parce que je le connais. Et c'est cette relation qui est importante et qui doit être au cœur des solutions qui peuvent exister et qui peuvent permettre de garder le client chez soi. Donc la deuxième type, le deuxième groupe de solutions que préconisent les chercheurs, donc c'est une approche qui est basée donc, sur les relations, sur les liens. Et en fait, les résultats... Ce courant se divise en deux groupes. Un premier groupe qui montre qu'il y a des individus, il y a des consommateurs qui sont de plus en plus attachés à leur région, enfin qui sont attachés à leur région. Et ces consommateurs-là sont un peu plus susceptibles, privilégient un peu plus les commerces locaux, les commerces au centre-ville. Mais le problème, c'est comment cibler ces consommateur. Comment savoir que tel consommateur qui vient chez moi peut être attaché à sa région, peut être attaché à sa ville, comment je peux les détecter? Donc ça semble assez difficile. Le deuxième groupe de recherche, lui, est issu, se focalise sur une théorie qui se nomme la théorie du capital social. En fait, c'est une théorie qui montre que plus une communauté, plus une ville met en place un réseau de liens, plus cette communauté peut avoir un succès en termes économiques, culturels et bien sûr social. Donc ça veut dire que plus les individus dans un lieu de vie, dans une ville, sont engagés au sein de leur ville, plus ils peuvent générer donc, de réseaux sociaux, plus ils vont être enclins à aller dans les commerces de proximité, dans les commerces en centre-ville. Pourquoi ? Au sein du lieu de vie. Parce que je fais peut-être partie de telle association, parce que je participe à telle réunion au niveau de la mairie. Pour certains travaux sur certains quartiers. Et donc, je vais rencontrer tel commerçant à cette réunion-là. Donc, plus je vais créer de liens, plus je vais créer de relations, et plus je vais privilégier les commerces en centre-ville, des commerces locaux. Et en fait, ça voudrait dire que, quelque part, les villes doivent inciter, sur le plan politique, à donner plus de volonté, d'envie au niveau des citoyens à s'engager au sein de la vie de la ville pour pouvoir générer justement ces liens et pour pouvoir favoriser cette activité, les activités économiques, le fait de pouvoir aller dans ces commerces, de rencontrer ces commerçants. Mais cette théorie montre aussi qu'il faut un engagement de la part des consommateurs au sein de leur ville, mais il faut aussi une réciprocité de la part des commerçants au sein de cette ville. C'est-à-dire que les commerçants aussi doivent s'engager dans des structures associatives pour créer une forme de réciprocité, donc pour montrer aussi aux commerçants qu'eux-mêmes sont impliqués dans leur ville, dans leur lieu de ville. En fait,
qu'impliquent les résultats de ces recherches à partir de cette théorie? Ils montrent qu'aujourd'hui, il n'est pas possible individuellement de pouvoir agir. Il faut absolument que les commerçants se regroupent, coopèrent ensemble pour pouvoir avoir un poids au sein de leur lieu de vie. Il est important aussi qu'en ce regroupement, ils puissent aussi intégrer l'autre acteur qui est l'acteur, le consommateur, qui a un poids considérable dans cet échange économique et social entre ces deux parties. Et puis bien sûr, intégrer les politiques, puisque ils peuvent aussi, là on parlait, vous avez parlé, M. Bougerol, du manager en centre-ville, qui peut avoir un impact effectivement fort en termes de cohésion entre les actions qui peuvent être menées en coopération. Et c'est vrai que c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur. Il faut savoir que les recherches se focalisent de plus en plus justement sur cette problématique de centre-ville, puisque un centre-ville, comme je le disais, un centre-ville qui n'a pas d'activité économique, c'est un centre-ville qui se meurt, puisque derrière, bien sûr, qui dit pas d'activité économique, pas de rentrée d'argent pour la commune. S'il n'y a pas de rentrée d'argent pour la commune, il n'y a pas de service public, il n'y a pas de transport, il n'y a plus d'école. Et qui dit plus ces services publics, qu'est-ce qui se passe? Ben vous, en tant qu'habitant, consommateur, eh bien vous allez dans une ville où on va proposer tous ces services. Donc il est important, comme on le voit aujourd'hui, qu'à travers l'échange économique, il y a cet échange social qui doit se mettre, qui est complémentaire et qui doit se mettre en place. Mais il est essentiel que ce soit différents, tous les partenaires qui mettent en place cet échange, ce maintien de l'activité économique en centre-ville. Voilà, donc avec Jean Frisot, comme il l'a précisé, on travaille sur cette thématique-là. On est là pour pouvoir aider, conseiller, suggérer toutes les solutions qui peuvent être envisagées pour une chambre de commerce, pour des politiques qui veulent maintenir l'activité économique, l'activité sociale d'un centre-ville. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à Jean Frisou et à Hélène Diz. Comme toujours, quand les propos sont intéressants, on a l'impression que le temps passe plus vite. Malgré tout, on avait évoqué, et on va quand même profiter de la présence de ces chercheurs parmi nous, questions-réponses, est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance sur cette thématique de l'écolocalisme? Ou est-ce que vous savez désormais tout? Monsieur Frisou, une autre question? Une autre question. Non, simplement pour revenir sur la présentation que nous avons faite, j'aurais voulu aussi vous parler, mais de façon très très brève, des résultats, c'est-à-dire ce que nous faisons. Ce ne sont pas simplement des coupes en l'air, des analyses, comme cela, faites à partir de la littérature. Également, nous avons des résultats. Hélène a très justement mis l'accent sur la nécessité de construire des liens, sur le fait pour les commerçants de s'associer ensemble. Et souvent, lorsque les programmes de fidélité se mettent en place, lorsque des associations le décident, eh bien, on sent bien qu'il y a parmi les commerçants un certain nombre de craintes. Notamment, par exemple, quand deux commerçants ont une même activité, eh bien, ça leur pose un petit problème de rentrer dans le même programme de fidélisation, car dans ce type d'outil, la question qui se pose est-ce que je vais finalement me faire prendre une partie de ma clientèle? Est-ce que mon chiffre d'affaires va continuer à augmenter? Est-ce que je vais garder mes clients avec cette carte qui est prétendument une carte de fidélisation? Alors, ce que nous avons fait des travaux avec Hélène sur ce chapitre-là. On a travaillé avec le programme de Bio sur 4 années consécutives. On a pris 4000 cohortes, c'est-à-dire 4000 personnes qui en 2006 ont pris la carte de fidélité. Et on a pris les consommateurs qui achetaient des produits dans 2 enseignes, qui étaient des enseignes de produits sportifs. Et on a regardé comment ça se passait. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que ce soit pour les clients qui ne se servent que dans un seul magasin, eh bien, les trajectoires pendant 4 ans restent exactement les mêmes d'un magasin à l'autre, c'est-à-dire qu'il
Il n'y a pas sensiblement de différence entre le bénéfice que peut retirer du programme un commerce et l'autre. Et puis pour les clients qui sont multifidèles, c'est-à-dire qui allaient et chez l'un et chez l'autre, eh bien on voyait très nettement que ces trajectoires, elles étaient corrélées. C'est-à-dire que plus on achetait dans l'un, plus on achetait dans l'autre, pour le même consommateur. Ce qui signifie qu'en fait, il y a une dynamique interne à ces programmes qu'on a essayé de mettre en évidence. Bon, on a pu faire une publication là-dessus. Et il y a comme ça bien d'autres choses, bien d'autres travaux que nous avons pu exécuter, en particulier notamment sur un récent papier qu'on a présenté à l'Association française du marketing à Montpellier, où on étudiait le comportement entre les hommes et les femmes. Les hommes sont censés, les femmes sont censées être beaucoup plus interdépendantes dans la relation, c'est ce que nous apprenons moins en psychologie, les hommes beaucoup plus indépendants. Donc on a fait l'hypothèse que probablement les femmes avaient un comportement vis-à-vis de ces programmes de fidélisation, ces programmes tournés vers le métier du commerce et vers la relation, qui seraient supérieurs. Et effectivement, on constate que les cartes qui sont gérées et détenues par les femmes sont beaucoup plus productrices que les cartes qui sont détenues par les hommes. Et il y a comme ça tout un ensemble de travaux sur lesquels nous travaillons et qui sont également des choses très concrètes par rapport aux exposés que nous avons pu faire aujourd'hui. Je vous remercie. Vous parlez beaucoup de centre-ville, mais je pense que ça peut s'adapter aussi à nos villages et à nos villes, parce qu'en fait, vous parlez beaucoup de... Je pense qu'il y a aussi des attractivités très fortes, même pour les villages. D'ailleurs, on passe à M. Hugo Viala, on en parlait l'autre fois. Arnaud Viala, pardon, excusez-moi. C'est bien, c'est pas sympa. Je pense qu'il y a un travail à faire pour justement... vous, c'est la Fédération 12e Sens, la Fédération de la pour justement générer... de l'activité sur tout le département et du trafic et ce genre de choses. Et c'est intéressant de voir aussi que nous ne sommes pas en retard, nous sommes dans les bons timings, la carte de fidélité, les rapports avec les élus qui sont bons, je suis heureux de le dire, et qu'il faut privilégier, parce que je pense que les commerces et les associations, ça ne travaille pas sans des élus, et c'est un problème politique, et également commercial, bien sûr, mais les deux réunis. Si vous me permettez, effectivement, c'est vraiment un problème politique. Je crois vraiment que vous êtes en avance par rapport à d'autres régions. Je vois la ville de Metz, où j'y suis très proche. On avait un cœur de centre-ville qui était magnifique, qui était super, en pleine activité économique, qui aujourd'hui se désertifie au profit d'une zone commerciale, vous verriez aujourd'hui une construction. Au début, je me disais, mais c'est un stade de foot qu'ils sont en train de construire. Eh bien non, c'est une grande zone avec différentes cellules commerciales. Il doit en avoir une centaine, avec des activités culturelles à l'intérieur de ces zones. On se dit, mais que va devenir le centre-ville de Metz? Eh bien, on va le voir d'ici 5-10 ans. Je pense qu'il sera bien mort. Malheureusement. Puisque vous avez dit qu'il fallait cultiver même l'associatif, le culturel, pour que ça marche, parce que c'est un réseau. L'activité économique doit être indissociable, c'est ce que les résultats des recherches montrent. Il doit être indissociable, enfin, l'activité, elle doit être indissociable de l'activité sociale, culturelle, de tout l'aspect lien humain qui peut exister. C'est très, très, très important. Et bien sûr, les partenaires politiques. Nous sommes les financeurs des associations, il faut que vous sachiez quand même. Mais Pierre Lecquepex, qui était président de ces oracles, ouais. Et qui est toujours, peut-être, je ne sais pas, non plus. Et voilà. Personnellement, moi, je suis quand même très très pessimiste pour les centres-villes, puisque de tout temps, les commerces, l'activité se situe auprès des voies de communication. Et depuis pratiquement 50 ans, on a changé de monde. On est rentré dans le monde de l'automobile, ce qui fait que les centres-villes sont totalement déserts. Si vous voulez repasser la photo de Perpignan, regardez un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, rez-de-chaussée, toutes les boutiques fermées. Vous levez les yeux un petit peu et vous regardez combien d'appartements sont habités. On en voit, a priori, un. Et il y a 50, 60, 70 ans, il devait y avoir combien ici? 500 personnes. Aujourd'hui, ils sont combien? 4, 5, 10 maximum. Je crois qu'il faut s'interroger à ce niveau-là. De toute façon, les centres-villes, à mon avis, c'est terminé. Dans 50 ou 100 ans, ce sera des ruines. Ne serait-ce que, pour revenir à l'Aveyron, ne serait-ce que si vous regardez la rue, les deux grandes rues commerçantes de Rodez,
Quand vous levez les yeux, vous vous rendez compte que les premiers étages, ce sont déjà des ruines. Alors c'est vrai, je suis assez pessimiste. Non, mais c'est... À peine. Mais vous êtes une femme, vous regardez les vitrines. Vous cumulez, là. Vous n'avez pas tort quand on regarde, c'est ce que je disais au début, les petites villes aux États-Unis, j'ai le sentiment qu'on va suivre le même mouvement. On insiste de plus en plus à des villes fantômes, où le cœur de ville s'est vidé au profit des périphéries, des zones commerciales. Et aujourd'hui, ces zones commerciales sont devenues des zones villes fantômes, qui ont été transformées en lieux de culte, par exemple. Vous pouvez aller voir sur votre ami Google les transformations effectuées par ces locaux. Je tenais à dire qu'un des romans encore, nous avons, qui peut-être vous répondrez, parce qu'il y a également un travail qu'il faut faire, vous l'avez parlé peut-être pas assez, c'est sur l'urbanisme justement, et sur le rachat des appartements insalubres. On est en train d'y travailler à Rodez, je sais qu'il y a du boulot, mais ce n'est pas si facile que ça. Alors je voulais dire quand même une chose importante pour tout le monde, c'est qu'en Aveyron, seulement 10% des communes n'ont pas de commerce de proximité, alors qu'en France, on est à 25%. Donc on a quelque chose encore en terrain privilégié. Je crois qu'aussi, il faut regarder que les Aveyronnais sont courageux, ont des idées, ont toujours démontré qu'ils avaient des initiatives, c'était des entrepreneurs, et qu'ils arrivent à s'entendre, puisque le côté aveyronnais des choses fait qu'on a quand même une force en nous. Et je crois que, je parle à tout le monde, je crois qu'on a encore quelque chose qui marche, donc il faut qu'on travaille tous, et c'est mon mot, hein, qu'on travaille tous ensemble pour que ça continue à fonctionner, pour trouver des idées nouvelles, pour que ça fonctionne. Merci. En fait, j'ai mené une étude en Lorraine sur 900 répondants à peu près, 984 exactement répondants. La majeure partie de ces répondants étaient des militants d'associations, des personnes bien engagées dans leur lieu de vie. Et cette étude montrait que plus ces personnes étaient engagées, plus le niveau d'appartenance à des associations était élevé, plus ils avaient tendance à privilégier les commerces locaux. Et je pense qu'un des points d'action sur le plan politique, c'est effectivement de pouvoir favoriser les associations, vous, à des actes citoyens. Donc nous, pas simplement que moi, mais nous, consommateurs, à effectuer des actes citoyens pour vous sentir encore plus engagés au cœur de votre ville, au sein de votre ville, aux préoccupations même de votre lieu de vie, et puis quelque part derrière, comprendre que ce que vous faites a un impact sociétal, c'est-à-dire que non seulement vous payez quelque chose en contrepartie, mais aussi vous effectuez un maintien de cette vie économique, vous effectuez votre maintien dans ce lieu de vie. Donc c'est très très important. Le problème majeur, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, pour venir juste à ce qu'avait montré Jean Frisot par rapport aux programmes de fidélité, une parenthèse, qui sont développés par exemple à travers Intera Project, eux, en fait, ils viennent se mettre à la place des pouvoirs publics. Il n'y a pas de service public comme on a en France. C'est vrai que nous, nos services publics sont très développés. Les services de transport, l'école, aux États-Unis, malheureusement, tout est payant. Donc on n'a pas besoin de réfléchir à cela. Mais ici, en France, pour maintenir cet ensemble, il faut absolument que nous-mêmes, on s'engage réellement au cœur de nos villes. Voilà, je vous remercie. Oui, quelques précisions. Vous avez parlé des acteurs. Effectivement, dans les problématiques de commerce de centre-ville, il y a le consommateur et il y a le commerçant. Donc, chacun doit s'emparer de sa responsabilité. Le consommateur, comme vous l'avez dit, favoriser son territoire et jouer son territoire et pas jouer un autre territoire. Et le commerçant doit effectivement jouer aussi son développement, mais pas tout seul, dans le cadre d'associations qui fonctionnent bien. La collectivité à Rodez a vraiment, je crois, joué le jeu. Le Grand Rodez joue le jeu. On a un manager de centre-ville. On a participé financièrement au lancement de la carte Cassiopée, qui est la carte de fidélité locale. Je veux dire, on essaye
d'aller dans ce sens-là. On fait beaucoup plus que ça, puisqu'on s'intègre dans des dispositifs qui font effectivement de la rénovation de l'habitat ancien et qui concernent les commerces. Et quand même, je voudrais en appeler un autre acteur, c'est les propriétaires de ces locaux-là, parce que les immeubles qui sont au-dessus des commerces, est-il à la charge du contribuable que de les rénover, que de les rendre habitables, que de permettre un habitat digne dans ces commerces-là? Voilà, aujourd'hui, la réalité des choses, c'est que lorsqu'il y a des commerces, il y a des immeubles extrêmement dégradés avec des commerces en pied d'immeuble, il n'y a parfois même pas d'accès en dehors de celui du commerce pour aller aux étages. Donc, c'est une vraie problématique pour créer de l'habitat. Je ne parle pas d'habitat social, je parle d'habitat tout simplement digne et d'habitat que l'on peut remettre sur le marché. Eh bien, aujourd'hui, c'est la collectivité qui, dans certains cas, devra se substituer au propriétaire pour rénover, donc acheter le foncier, plus rénover. Donc voilà, est-ce que c'est au contribuable de payer, au consommateur donc, de finir par payer à la fois les murs, le commerce, l'habitat au-dessus, et ensuite d'aller chez le commerçant? Donc je crois qu'il y a aussi, il manque un acteur dans ce que vous avez décrit des situations de centre-ville et de centre-bourg, c'est qui possède le foncier. Comment est-il rénové? Comment est-il entretenu? Et quelle est la responsabilité de l'État et des collectivités locales pour maintenir en état ce foncier? Et je ne parle pas des prix, parfois, des loyers et des baux commerciaux qui sont... voilà, je n'osais le dire. Voilà. En tous les cas, plus en adéquation avec la capacité financière, je pense, du commerce et du commerce de proximité. Parce que là, je suis entièrement d'accord avec vous, effectivement... vous me dites, mais il manque un acteur. En fait, l'acteur, ça peut être vous, en tant que commerçant, propriétaire de ce local, ou moi, en tant que consommateur, propriétaire de ce local. Mais effectivement, le troisième acteur, qui est donc le politique, pourrait intervenir pour mettre un petit peu des barrières, des seuils à ne pas dépasser. Mais bon, c'est toute une histoire de... Je pense vraiment que le problème de l'activité économique en centre-ville, c'est toute une histoire politique. Bien sûr, nous, mais c'est à nous d'être d'abord forts, de coopérer ensemble pour apporter notre poids sur le plan politique. Un petit mot, monsieur Bougereau. Juste pour... ça rejoint tout ce qui a été dit, mais tout cet ensemble de réflexions est absolument nécessaire pour qu'on puisse, à un moment donné, au niveau du commerce, reprendre une certaine forme de leadership sur le rôle sociétal du commerce aujourd'hui. Une prédominance du discours depuis 30 ans, depuis 40 ans, etc., par la grande distribution, en justifiant notamment les grandes surfaces à l'extérieur, au nom de pseudo-chiffres d'évasion commerciale, puisque les grands cabinets de consultants, comme Bérénice, appartiennent moitié au champ, moitié au clair, etc., et ont toujours justifié par des chiffres à leur source la justification pour rajouter du mètre carré au mètre carré. Comme je le dis souvent, c'est pas pour ça que s'il y a deux marchands de carottes, les gens achèteront plus de carottes. Donc à un moment donné, si on déplace les lieux d'achat, c'est l'exemple de Metz, mais ça peut être un exemple qu'on va trouver partout, on va déstabiliser les lieux plus traditionnels que sont les centres-villes. Dire ici à Perpignan et dans n'importe quelle autre ville de France, on paye des décisions d'il y a 10, 15, 20 ou 30 ans. Et parfois des décisions qui ont des impacts rapides. Sans parler ici de rebelles, mais par exemple à Albi, il y a eu la rénovation, parce qu'on patrimoine de l'UNESCO, etc. Et en même temps, l'énorme centre commercial, les portes d'Albi. Ce qui fait qu'au même moment où il y avait une forte rénovation du centre-ville par la collectivité, avec en plus des investissements lourds de la collectivité, au même moment on investissait, au moins au niveau des ronds-points et tout ça, pour permettre à des grandes structures de s'installer. Qui fait que ça a totalement déstabilisé au même moment le commerce du centre-ville. À un moment donné, sur une population donnée, c'est pas la multiplication des mètres carrés qui va faire augmenter la consommation de livres, de chaussures, de carottes ou de quoi que ce soit d'autre. Donc à un moment, on déplace l'activité. Et on paye ces déplacements d'activité. Ce qui fait qu'à un moment, on rentre dans le cercle de la paupérisation. Sachant qu'effectivement, entre autres situations paradoxales, où l'habitat n'a plus de valeur, n'est plus entretenu, n'est plus loué. Par contre, les baux commerciaux ou les loyers continuent à être à une valeur extrêmement élevée. Ce qui fait que si quelqu'un plie, personne ne reviendra. Et qu'il faut des mois, voire des années pour que les propriétaires comprennent que ce n'est plus ça de marché. Et entre-temps, ça rejoint la durée de vacances d'un commerce.
commerce à un moment donné, tout est déstabilisé. Ça, c'est un phénomène que l'on voit partout. Donc pouvoir le dire, pouvoir l'expliquer, pouvoir le formaliser, et montrer qu'aujourd'hui, il est, entre guillemets, moderne, il est, entre guillemets, intelligent, il n'est pas ni ringard ni poujadiste, de parler de ce qui se passe dans les centres-villes et de ce rôle social, économique, collectif, ou de l'attractivité pour les territoires. C'est sûr que si demain, un médecin, un cadre, un ingénieur recruté par je ne sais qui, une grande boîte, vient pour s'installer à Rodez comme ailleurs, il va regarder déjà si la ville est présente, si elle a un ensemble de services. Hein, et puis quand on cherche un appartement, une maison, on dit l'argument est toujours proche, école et tout commerce, ou toute école et tout commerce. Bref. Tout ça, c'est des choses importantes. Le problème, c'est qu'on paye des erreurs qui ont été faites il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, et qu'aujourd'hui, les changements de réflexion au niveau des municipalités, qu'on entend un peu partout, hein, avec plus ou moins d'intensité, la prise de conscience dans Palais ou Clermont-Hôtel, on l'entend, moi je suis commerçant à Rodez, on l'entend, la prise de conscience, elle a été faite. Il y a peu de temps, on avait des réunions à Millau, elle a été faite. Elle se fait un peu partout. À Toulouse, il y a des oppositions de la mairie sur le gros projet à présent du Touche, qui se fera peut-être, mais, ou même probablement, vu les dispositions réglementaires. Mais c'est aberrant à un moment donné. On déplace l'activité commerciale et après on se dit, dans le trou noir, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais rien. Et ceci, on l'a vécu évidemment dans les villes moyennes, dans les villes plus petites, voire dans les villages, dans les vaisseaux ou ailleurs, n'importe où, où on a des situations qui sont dramatiques parce que tout est parti, ou presque tout, il reste au moins le marché, etc. Et on se retrouve dans des. Quand je pense qu'à Kista, la maison de presse de Kista a disparu, on se dit, c'est pas possible, c'est pas normal. Parce que ça, c'est des lieux où le rapport évidemment, la presse va se porter encore plus mal. Et c'est vrai pour beaucoup d'autres activités. Donc la pente à remonter, elle est longue, mais je pense que collectivement, tous ensemble, et ça vous le montrez bien quand on dit travail plus universitaire, plus théorique, c'est que ce combat, il n'est pas d'arrière-garde, il est d'avant-garde. Et s'il y a quelque chose que je veux dire, c'est qu'il est, pour nous tous, c'est que nous sommes à la pointe d'un combat social, politique, au sens large et noble du terme, qui est absolument essentiel si on ne veut pas demain vivre dans une sorte de ghetto ou de cage juxtaposée où il y aurait d'un côté les loisirs, de l'autre côté l'habitat, un troisième endroit le commerce, et tout ça fait en voiture à travers des cadres dans tous les sens. En fait, si vous me permettez, M. Coucherel, pour répondre à ce que vous dites, les grands groupes, les grandes surfaces, ont compris que l'activité sociale est très très importante. Quand vous regardez les constructions de grands malls, notamment dans les pays en voie de développement, en Asie, au Moyen-Orient, eh bien vous avez des grands bâtiments de 10, 20 étages où il y a tout. La grande surface en rez-de-chaussée, l'habitation, les logements, le cinéma, les bâtiments pour le théâtre, les activités sportives, vous avez tout. Tout est intégré. Ils l'ont compris.